Alors, nous allons parler des secrets de l'attraction Pinocchio. Saviez-vous que la maison de Stromboli ressemble à celle de la forge de Gelrache? Dans l'attraction de Disneyland, on peut noter la ressemblance si vous faites principalement attention à la partie haute de l'entrée. Quand les portes s'ouvrent, vous remarquerez les marionnettes. On peut voir différentes cultures, une française et une russe à côté de Pinocchio. Pour le personnage central, on notera une ressemblance aux vêtements tyroliens. Quant à ceux sur les extrémités, vous pouvez voir que les marionnettes ressemblent à ceux des gardes anglais, principalement du fait de leur habit ainsi que leur position. Dans l'îlot plaisir, si vous regardez la maison en pain d'épices, vous pouvez voir qu'elle ressemble à peu près à celle de la sorcière de Hansel et Gretel. Vous pouvez entendre à plusieurs reprises la rue du tabac. Saviez-vous que Bob Iger, le président des studios depuis 2005, a annoncé lors d'une réunion annuelle avec les actionnaires avoir banni le tabac de l'ensemble des productions à venir, que ce soit pour les rôles principaux ou secondaires? On notera une introduction de la culture aussi américaine. Les décorateurs s'en sont inspirés pour la forme de la salle de billard, une boule 8 avec une queue de billard posée à côté. Coïncidence ou non avec le chiffre 8, saviez-vous que c'est le 8 avril que fut adressée à Walt Disney une lettre par Madame K.E.V.R. qui suggéra l'utilisation de l'histoire de Pinocchio comme film? Juste après le passage de cette salle, faites attention au décor. Vous pouvez voir un panneau de la Joconde contre les planches de bois. Enfin, à la fin de l'attraction, vous pouvez également voir un Mickey caché. Celui-ci est situé en bas de la fée. Le ruban forme la tête de Mickey, les oreilles et le visage. Voilà, j'espère que je vous en aurai un peu plus appris sur les secrets de l'attraction Pinocchio.